Donc bonjour à tous, nous vous proposons aujourd'hui cette Morgane Plus 4 de 2013. Donc regardez la carrosserie de cette voiture de couleur Old English White, un espèce de blanc crème typiquement britannique, couleur on ne peut plus classique, tel le British Racing Green. Le Old English White est un must en matière de Morgane. Ici donc une version Plus 4 2013, donc avec intérieur cuir marron. La qualité de cette voiture, seulement 11 000 km, est absolument superbe. De nombreux accessoires, grille de calandre, donc les butoirs avant, vous retrouverez la ceinture de capot, l'antenne de radio, rétroviseur rond, rétroviseur central chromé. Vous retrouverez les sièges sport avec les appuis-têtes avec le monogramme Morgane brodé, volant bois Motolita, tableau de bord bois. Vous retrouverez capote Alpaga couleur marron foncé qui se marie très bien avec l'intérieur et la boiserie de cette voiture. Vous retrouverez un porte-bagages double qui permet de glisser les side screens à l'intérieur de ce compartiment. On referme et ensuite on peut mettre la valise par-dessus. C'est un accessoire Morgane qui est très 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 utile pour voyager. Voilà, regardez la partie intérieure, sellerie, absolument magnifique pour cette voiture. Je vous invite à venir voir le moteur de la belle avec moi, regardez. Donc on va commencer par défaire cette sangle de cuir. Hop ! Bien mettre le crochet de cette manière pour ne pas abîmer la peinture. Donc on ouvre comme cela. On découvre ce moteur donc Ford 2 litres, 150 chevaux, mécanique ultra moderne. Ne vous souciez pas d'ouvrir le capot sur cette voiture. Il n'y a rien à faire. Une vidange par an chez votre garagiste, un graissage et c'est tout. On retrouve tout l'intérieur du capot d'origine, tout est d'origine, vraiment superbe. On retrouve une rare option qui est ici la climatisation. Cette voiture est équipée de la climatisation qui vous permet eh bien, finalement de pouvoir faire des liaisons sur autoroute capotée avec la clim ou tout simplement s'il fait très chaud, et bien finalement vous mettre un filet d'air frais à l'intérieur de la voiture en même temps d'être décapoté. Vous avez le déclenchement de la climatisation qui est ici. C'est une option facturée 4500 livres par l'usine Morgane. C'est très rare de trouver ça sur les Morgane, elles sont peu prises ces options. On va aller voir l'autre côté du compartiment moteur. Donc on y retrouve la partie collecteur d'échappement, donc échappement inox. Sur ces voitures, donc ça ne rouille jamais. On retrouve ici le compresseur de climatisation. Voilà, la boîte à air, la partie lave-glace, quelques fusibles. Vous avez le calculateur moteur qui se trouve dans ce compartiment-là. Voilà, rien à signaler. Superbe voiture. Waouh, waouh, waouh. Alors me voici sur cette route de campagne. C'est vraiment un plaisir de rouler en Morgane. Alors avec ce soleil décapoté, les chevaux au vent, c'est génial. C'est une voiture qui est fiable, qui pose aucun problème, qui consomme peu de carburant. Vous pouvez voyager sans problème, vous pouvez faire de l'autoroute. En plus, cette voiture a la climatisation, donc vous pouvez faire de l'autoroute capotée si vous le souhaitez. C'est des autos sans souci. Vous prenez le plaisir et le ressenti de la voiture ancienne à conduire parce que vous avez effectivement les suspensions anciennes, donc l'essieu arrière rigide, les suspensions avant qui sont des tout petits ressorts avec un pivot, c'est vraiment à l'ancienne. Et pour autant, vous avez un moteur tout à fait moderne avec une boîte de vitesse moderne. Et ce qui vous permet d'associer eh bien, le plaisir et vraiment, j'insiste sur le ressenti de conduite. On a vraiment l'impression de conduire une voiture ancienne avec cette Morgane. Et pour autant, c'est une voiture extrêmement fiable avec sa mécanique. Regardez également la vue que l'on peut avoir. Donc ce capot avec ses petites
Zouis trié sur la partie supérieure pour améliorer le refroidissement. Le bout des ailes, donc look typique avant-guerre, et donc avec ses phares rapportés. Vous avez effectivement la sangle de capot que l'on peut voir également. C'est un plaisir des yeux. Regardez le mariage entre l'esthétique de ce long capot et de ses ailes avec un paysage de campagne qu'on peut voir ici. Regardez, c'est absolument génial. C'est un plaisir de vie qu'il faut associer avec cette Morgane. Il faut associer effectivement les voyages, les restaurants, les beaux hôtels, les belles routes et profiter de la vie. C'est des autos vraiment superbes pour ça. Et c'est un rapport, je trouve, prix plaisir qui est génial. Vraiment, je vous le recommande. Regardez également passage des Dodanes. Vraiment pas si inconfortable que ça. Ah là là, magnifique. Regardez ce capot se faufiler à travers ces jolis murs de pierre. La France est un superbe pays avec des paysages extraordinaires. Franchement, on est gâté. Avec une Morgane, c'est fantastique de pouvoir profiter. Donc nous rentrons d'essai avec cette Morgane Plus 4. Traditionnel tour du véhicule à l'extérieur. Regardez comme la couleur Old English White devient un plus crème. C'est absolument magnifique. Des plus chics, je trouve. Regardez cette présentation esthétique. La voiture, franchement, n'a quasiment aucun défaut. Il faut vraiment être très, 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 très pointilleux pour critiquer cette voiture. Je vous montre, hein. Vous voyez, ici, une tête d'épingle de gravillonnage. Voilà, ça va être de cet ordre-là. Vraiment, la voiture est dans un état extraordinaire. Je vous laisse admirer également la partie intérieure avec ce cuir marron que je trouve somptueux personnellement, qui se marie parfaitement avec effectivement le volant Motolita, la planche de bord. Regardez ça, superbe, magnifique. Le bois est somptueux. Regardez également le cuir. Regardez comme c'est beau, impressionnant. Et également sur la partie roue de secours, porte-bagages double. Regardez, c'est magnifique. Alors je vous propose maintenant d'aller voir les dessous de la belle. Vous allez voir. Donc 7 plus 4. Donc est une première main. Seulement 11 000 km. Regardez les dessous de la voiture. Donc dans un état... Tiens. On a pris un espèce de truc sur la route, parce que nous revenons d'essai. Voilà. Donc, les Morganes hein, ont toujours ce châssis donc galvanisé, ici, que l'on voit, avec une cire de protection qui a été rajoutée, également une espèce de peinture noire qui est rajoutée à l'usine, ici, donc, qui est pulvérisée absolument sur tout le dessous, que ce soit sur la partie châssis ou sur la partie plancher bois, qui protège l'auto. Donc c'est vraiment un traitement qui est d'origine. Sur la partie, donc regardez, tout est d'origine au niveau châssis. Pour trouver ici un petit frottement sur la traverse inférieure, ça c'est typiquement les Dodanes, tout à fait normal, rien à signaler. Donc sur la partie ligne d'échappement, c'est une ligne d'échappement en inox, donc effectivement ça ne bouge pas. Absolument aucun problème à signaler. Vous retrouvez donc un essieu arrière, ce qu'on appelle rigide, donc avec la partie ressort, donc lame de ressort, et donc effectivement des amortisseurs télescopiques, donc Spax réglable en plus, pour la partie amortissement. Donc ici, vous avez effectivement la batterie qui se trouve sous la voiture. Ici, au niveau donc cylindre de roue, etc., étanchéité différentielle, un petit peu de poussière, mais tout est absolument parfait sur cette voiture. Rien à signaler. Au niveau mode de vitesse, regardez, il n'y a pas une goutte.
tout est parfait sur cette voiture. Vous voyez, étanchéité moteur, étanchéité générale. C'est effectivement l'avantage des Morgane, de pouvoir profiter d'une voiture ancienne tout en ayant une grande fiabilité. Pas d'huile sur le sol, pas de problème particulier. Vous voyez, ça c'est vraiment une auto qui est d'origine, qui n'a pas subi de problème. Et vraiment superbe de pouvoir vous présenter ça. Donc sur la partie tour du véhicule extérieur, regardez donc la propreté et la qualité de l'auto. Donc on commence par l'aile arrière droite. Là vous voyez effectivement rien à signaler, aucune rayure, aucun défaut. Sur la partie effectivement bas de caisse droit, qui est en fait vous voyez le prolongement de l'aile. Donc là vraiment on n'a rien du tout à signaler. Alors ici on a une micro trace, vous voyez 1 mm à peine. C'est une trace de frottement de chaussure. Bon, vraiment rien du tout. Ici, on a une micro tête d'épingle. Vous voyez, un petit gravier. Enfin, c'est vraiment minime. C'est pour dire les choses. Également ici, un micro impact de gravier. Enfin, rien du tout hein, pour une voiture comme ça. Extraordinaire. Donc, également, sur la partie face avant, qui est surtout la plus sensible sur les Morgane, parce qu'on est sur une voiture qui est très basse, donc qui est sensible au gravillonnage, notamment sur cet espace-là. Et donc là, regardez la qualité de préservation. Vous voyez, une petite tête d'épingle ici pour être vraiment pointilleux, mais enfin, rien de particulier sur ces voitures. Je peux vous dire qu'on en a vu des moins kilométrés et beaucoup plus gravillonnés que ça. Non, non, franchement, rien à signaler. Alors ici, qu'est-ce que c'est? Non, c'est une tache, rien de spécial. Ici également, une tache. Ici, voilà, une micro tête d'épingle également ici de gravillonnage. Donc vous voyez, on en est peut-être à 3-4 au global en présentant ce véhicule de manière assez pointueuse, ce qui est vraiment pas beaucoup. Alors, on va passer le dessous également. Donc on va terminer notre tour par le côté gauche, donc l'aile avant gauche également ici. Rien du tout. Regardez la qualité de préservation de cette voiture. C'est vraiment superbe. Non, ici de la saleté. Ici c'est de la saleté. Ici non, c'est de la saleté. Rien à signaler sur cette voiture. Pas d'enfoncement, pas de rien. Alors ici, non, c'est de la saleté. Absolument superbe. Sur la partie arrière également. Voyez. En espèce de cette espèce de jupe arrière qui est magnifique et qui intègre un feu anti-brouillard et un feu de recul. Vraiment superbe. Qualité extraordinaire pour cette voiture. Les jantes à rayons. Donc il s'agit des jantes, vous voyez, avec des valves donc tubeless. Donc ce sont des pneus tubeless avec des jantes à rayons tubeless. Donc pas de chambre arrière dans les Morgane modernes. Ce qui est vraiment quelque chose de beaucoup plus sécuritaire. En cas de crevaison, parce que vous avez une crevaison qui est plus lente, alors qu'une chambre arrière, effectivement, quand elle crève, eh ben, pouf, elle tombe directement. Voilà, vous avez la nouvelle version, donc avec les gros freins donc avant, hein, qui est vraiment une modernité sur les plus 4. Voilà, vous avez vraiment, je trouve, la version la plus homogène ici. Alors, on revient d'essai avec cette Morgane plus 4. Ce qui me plaît sur cette voiture, la configuration de couleur. Donc Old English White, intérieur cuir marron, capote alpaga. Ça c'est vraiment superbe. Avec la boîte de volant Motolita, c'est magnifique. Ensuite c'est une voiture qui est, première main, qui n'a que 11 000 km. C'est une voiture qui est en super état. Que ce soit du point de vue du gravillonnage, point de vue des rayures, point de vue de son état général, la voiture est somptueuse. Ensuite, les options. Cette voiture a des options bêtes, mais le porte-bagages double, ça vous permet de mettre et vos side screen et votre valise pour partir en vacances. Vous avez la climatisation qui est une option très rare sur les Morgane. Cette voiture sera révisée par notre garagiste et sera prête à prendre la route immédiatement pour vos loisirs et vos vacances. C'est une voiture, pour terminer, qui est très fiable. Les Morgane avec cette mécanique Ford sont redoutables. Vous pouvez partir sans souci. C'est une voiture qui redémarre le matin, qui ne fuit pas au sol sur le garage. Alors que c'est une voiture anglaise et c'est une voiture qui vous procurera les sensations vraiment d'une voiture ancienne à la conduite. On a un vrai ressenti et une vraie émotion
de voitures anciennes et pour autant une mécanique ultra fiable. Pour toutes ces raisons, cette Morgane est superbe. Je vous invite à venir nous voir. N'hésitez pas, quand vous voulez, la galerie est ouverte. À bientôt. Au revoir.